Tu mets la photo de mon meilleur ami sur ton fond d'écran. Tu me dis, nous fous le camp. Tu mets que tu as trouvé ça, je lui dis. Yo là, ma famille, j'espère que vous allez bien. Désolée, je vais parler doucement parce que je suis dans les toilettes et je suis en train de me préparer. Je suis en train de me préparer autant pour moi pour la vidéo tout à l'heure avec Randy. Il est sorti là pour aller au balcon. Je vais pas parler fort parce que je veux pas qu'il m'écoute. Bref, on est censé faire une vidéo sur une story time de notre séparation. En fait, on a failli se séparer. Je vais pas vous mentir, vraiment, on a failli se séparer. Donc, on veut vous raconter ce qui s'était passé et débattre ensemble pour que vous nous donniez aussi un peu des conseils. Bon, mais je vais faire un petit prank à Randy. Je vais mettre la photo de son meilleur ami sur ma photo de. En fait, sur mon fond d'écran pour voir sa réaction. Quand on sera en train de faire la vidéo, genre, je sais pas trop à quel moment je vais le faire. Je vais essayer de faire qu'il arrête le téléphone pour voir. Et genre, qu'il va voir la photo, je suis sûr qu'il va péter un câble. Je suis sûr que mon prank va marcher. En fait, je vais rendre la pièce. Il m'avait fait le prank de orner la jarre, machine, truc et tout. Du coup, je vais rendre sa pièce. Donc, je l'attends. En fait, je suis en train de m'apprêter. Ou quoi, je suis en train de d'estomper un peu le fond de teint. Du coup, j'attends quand il va ouvrir la porte. J'arrive la vidéo. J'arrive. Yo la rame, ma famille, j'espère que vous allez bien. Ok, c'est Randy et Maeva. Maeva et Randy, on sait que vous nous connaissez déjà. Et pour ceux qui nous connaissent pas encore, vous abonner. Lâchez un petit pouce bleu pour vous abonner. Quand même, on mérite ça. Et n'oubliez pas d'activer la notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Depuis qu'on fait les vidéos, donc tu ne connais pas. Anyway, aujourd'hui, notre vidéo, c'est une story time. Story time. Voilà, story time. On a remarqué que vous aimez bien les story time. Ouais, on a remarqué que vous aimez bien les story time. Et aujourd'hui, c'est une story time sur notre séparation. Oui, ce n'est pas un prank. Ce n'est pas un prank. Voilà. On a failli. Non, on s'est séparés. On s'est séparés. Mais juste que après, en fait, on va vous raconter ce qui s'est passé. La séparation, ça fait 2 mois aujourd'hui. Ne vous en faites pas la séparation. Autant pour moi, elle n'a pas fait 2 heures. Ouais, ça n'a pas fait 2 heures. Bon. Moi, on était vraiment séparés. En fait, je commence par raconter, tu commences. Genre, il m'avait sorti des trucs du genre. Va faire ta vie, non, appelle, puis fasse mon numéro. Ce qui m'avait fait du mal, c'est qu'il m'avait fait, il m'avait brutalisé, il m'a blessé. Et j'ai filmé ça. J'étais blessé. Tu m'avais blessé. J'étais blessé. Tu m'avais blessé, tu as oublié. J'avais filmé, j'étais partie dans les toilettes, j'ai filmé. J'ai dit que je vais jamais oublier ça. Attendez, je vous montre. Regarde. Moi, j'étais blessé. Regarde où tu regardes. Tu vas voir comment je. Baby, moi, j'étais blessé. Regarde. Je t'avais arrêté la main un peu comme dans la. Il m'a secoué. Il m'a arrêté la main tellement fort. Ça m'a laissé les bleus. Tu voulais sortir. Je t'arrêtais. Seulement que ma peau ne garde pas les bleus. Je t'arrêtais de ne pas sortir. Depuis, je t'arrêtais. Je disais que ne sors pas. Et moi, j'étais blessé. Parce que je suis devant la caméra. Genre. Regarde, moi, il dit qu'il était blessé. Entre dans la galerie et puis tu regardes les photos. Ah, tu mens. Tu regardes et toi-même, tu vas me dire si je mens ou pas. C'est quoi ça? Quoi? Ah, c'est une photo de man. J'ai trouvé ça joli. C'est pour ça que j'ai mis ça sur la photo. Tu me dis que tu as trouvé ça joli. Je me suis en train de faire la vidéo non, de la story time. On continue et puis on va parler de ça après. Attends, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis là, tu ne voyais pas ça. C'est là, non? Depuis quand? Depuis, j'ai juste trouvé la photo là jolie. C'est maintenant que tu vois ça. Attends, tu me dis ça comme ça. J'attends toujours la photo là jolie. Montre un peu. Je te montre quoi? Carrément, tu mets la photo de mon meilleur ami sur ton fond d'écran. Tu mets la photo de mon meilleur ami sur ton fond d'écran. Tu me dis, nous fous le camp. Tu mets que tu as trouvé ça, je lui dis. Tu y as. Je te parle, tu ris. Ça ne va pas dans ta tête. Tu mets la photo de mon meilleur ami sur ton profil. Un téléphone que j'ai acheté. Ça ne va pas dans ta tête. Mais baby, tu es sérieux. Je te parle, tu ris. Tu me prends pour qui? J'ai juste trouvé la photo là. Ne parle plus là-bas. Hein. Désolé. Mais... Il veut casser ça. Hein. Mais sérieux, tu es fâché comme ça. Ne parle plus. Quand il parle, ne parle pas. Je ne sais pas pourquoi je vais te justifier. C'est pour une photo. J'ai juste trouvé la photo jolie, non? Et tu te tais quand je parle. Tais-toi là-bas, dis donc. Ok. Tais-toi. Tu veux te justifier devant qui?
Quand tu te fâches comme ça, je suis mon grand devant la caméra. Genre, tu as oublié qu'on a fait la vidéo. Non, ne coupe pas, t'en abonne. Regarde, regarde. Si tu me dis encore que tu as trouvé. Oh, je veux pas faire un truc que je vais regretter, s'il te plaît. Je suis pas ton enfant. Je vais pas t'acheter un téléphone. Tu m'as fait mal. Attends, non, bébé, s'il te plaît. Non, là, je l'ai. Bébé, s'il te plaît, je suis désolé, c'était le prank. C'est que le prank que tu fais comme ça là. Je savais que c'était le prank. Mais c'est que le prank que tu fais comme ça là. Tu savais que c'était le prank. C'est que le prank que tu fais comme ça là. Attends, non. Ouais, je te dis la vérité. Va pas là-bas. Il savait que c'est ça que tu allais me dire après. S'il te plaît, je savais que c'est ça que tu allais me dire après. Que c'était le prank. C'est que le prank que tu me fais comme ça. Dis donc. Bébé, t'es vraiment fâché comme ça. Ne sois pas venu, on fait la vidéo, non. En fait, c'était ça la photo. Je savais pas qu'il allait prendre ça mal comme ça jusqu'à se fâcher et sortir. En plus, lui, c'était le prank. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas si j'arrête la vidéo ou je continue la vidéo. Anyway. Bébé! Attends, je vais pas le chercher, je sais pas s'il va accepter, je vais essayer de l'expliquer, puis on vient de terminer la vidéo. Ça a vraiment mal tourné. One eternity later. Bon les amis, j'ai fini de causer avec lui, j'ai demandé les excuses et je t'assure, je change ça. Regarde, je veux changer. Si tu veux, ne change même pas. Non mais bébé, sérieux, je t'ai dit que c'était le prank. Mais ça fait quoi? C'est normal, le prank, on doit rire, genre. Rire, ça me fait pas rire. Je suis vraiment désolée. C'est vrai que j'ai choisi la mauvaise personne. Pas. Bon, c'est parce que c'est mal ou bien c'est quoi? Je savais qu'après tu allais me dire que c'était le prank. C'est quel prank que tu fais comme ça là? Oui, mais c'est le prank, non? On s'était dit, c'est que on fait les vidéos, du coup on s'attend à tout. Je peux te faire un prank n'importe comment et tout. Pardon. Et toi, tu peux me faire un prank? Pardon, laisse. En tout cas, je suis vraiment désolée. Essayez un peu de je sais même pas quoi dire. on dit quoi? On dit au revoir, non? Dis au revoir. Je veux pas. J'ai mal. Oui, on continue la story. J'ai mal. Je veux. On va faire ça demain, s'il te plaît. Bébé. Ouais, je suis fatiguée. Va me coucher. Douze, c'est vrai que tu me lâches. Je suis fatigué. Mais n'est-ce pas qu'on fait souvent tes bras? Tu m'avais fait le point de on est là ici là. Je suis resté tranquille, non? Pourquoi tu fais ça? Tu te fâches quand tu m'as fait mal au bras. Désolé. Tu m'as fait mal au bras. M'excuse. Désolé aussi. T'étais mon modèle, non? Alors, tu vois que c'est mieux comme ça. On te fâche. On sait que c'est. Toi-même, tu savais que c'était au bras. Même si je ne savais pas si c'était le prank, mais après je t'ai dit que c'était le prank. Normalement, après, elle te dit que c'est le prank. Normalement, tu dois rire. Mais ça m'a fait. Ah ouais. Tu ris, genre, ça t'a eu. Genre, j'ai eu. Donc, j'ai réussi. Jamais. Ah, pardon, ouais, je en tout cas, je change la photo. Tu sais, que c'est le prank. C'est ton ami. C'est plus pas quand même mec ou ton ami sur mon écran. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur comme moi. J'ai eu très peur quand il s'est fâché et qu'il allait me boxer. Genre, tu me dis que je peux jamais te frapper. C'est pas pourquoi tu manques de l'aider à taper. Ou quand tu vois pas pourquoi tu m'as brutalisé. Je t'ai brutalisé. Moi, je t'ai brutalisé. Anyway, il m'a pas brutalisé. Bref, je suis désolée encore. Je demande pardon, mais c'était le prank. Non, genre, c'est pour voir ta réaction. Ça va. Ok, likez, n'oubliez pas de liker, de commenter, voilà, tout ça. Ok, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.